Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de Madventure 2.0. Je suis super content de vous retrouver comme à chaque fois. Dans cet épisode, en ce 11e épisode, nous allons enfin, je l'espère, apprivoiser un cheval. Je vous l'annonce, à la fin de la vidéo, nous aurons un cheval. Et pour cause, j'ai sur moi du coup une selle et une armure en diamant. Et pour maximiser les chances d'apprivoisonnement, ça ne se dit pas, j'ai pris du blé et des pommes. Donc dans l'idée, on va chercher tout simplement des chevaux et on va essayer de comparer lequel ira le plus vite, lequel sera le plus joli. Bref, on va vraiment sélectionner le meilleur cheval. Vous pouvez voir juste ici qu'il y a un âne. Alors attendez, j'arrive même plus à me mouvoir. Juste ici, il y a un âne. C'est totalement pas ça que nous voulons, bien évidemment. Alors avant de partir en expédition à la recherche de cheval, les amis, j'aimerais vous montrer ce que j'ai fait en off qui est assez incroyable. Si vous regardez ici, il n'y a plus de vaches et il ne reste plus qu'un mouton. Ah bah non, il y en a deux, pardon, j'ai rien dit. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. En fait, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, c'est pas bien. Et vous allez voir, c'est monstrueux. Alors déjà, voilà, il y a de l'herbe un petit peu partout. Ici, j'ai fait d'ailleurs, attendez, un grand sous-sol. C'était très chiant à faire et c'est pas fini, ça va être très très grand. Je remercie infiniment Marion, du coup BXNO, qui m'aide pour miner. C'est insupportable. En gros, j'aimerais faire une géante ferme à arbres avec tous les différents types d'arbres. Comme ça, on aura un maximum de bois. Donc, ça va être gigantesque. Donc merci à Marion. Et en fait ici qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'ai réalisé une machine pour avoir un maximum de bouffe à vache. J'ai fait pareil pour les moutons. Pour le moment je l'ai à peine construit, donc il n'y a encore personne. Alors donc je remercie Tiamo. N'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne de Tiamo, qui a du coup repris d'un tutoriel et bien ce système. Et bien moi j'ai repris ce système de Tiamo. Donc c'est un système assez sympa. Vous allez voir, c'est abusé. J'ai juste à monter en fait. Vous allez voir comment ça fonctionne. J'appuie sur ce bouton. Les vaches se mettent en hauteur. Je pense que vous connaissez tous à peu près eh bien, ce système. N'hésitez pas à aller checker les tutos si vous connaissez pas. Et donc là, je fais reproduire les vaches entre elles, tout simplement. Donc les vaches qui sont juste en haut. Donc là, je les fais reproduire. Ça donne naissance à des bébés. J'ai juste à rappuyer sur le bouton. Et là, bon là du coup il y a des vaches qui viennent de mourir malheureusement, c'est pas grave, ça fait toujours de la bouffe en plus. Mais du coup ça fait spawn des bébés juste ici. Voilà, du coup j'ai récupéré du cuir et du raw beef. Et bien regardez, je vais vider ce coffre. Je vais appuyer sur ce bouton et ça va brûler les vaches qui sont grandes sans tuer les bébés vaches. Et regardez, ça va être monstrueux. Voilà, one shot. Donc là, il reste encore les bébés vaches qui vont grandir. Et là, nous avons... Voilà, donc là, ça... c'est en train d'augmenter au fur et à mesure. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, d'ailleurs. Bon, bah, le temps que ça vienne, vous voyez. Donc là, 30, 32. Regardez tout le steak. Tout le steak juste qui est en train d'arriver. Attendez, mais eh, voilà, calme-toi. Donc nous avons 39 steaks qui viennent de s'ajouter. Et au niveau du cuir, regardez, on se met également pas mal. Voilà, donc c'est vraiment cool ce qui se passe. Donc cette machine est vraiment assez folle. Et voilà, elle est vraiment bien automatisée. Enfin, il y a juste à appuyer sur les boutons et à rester à côté pour que les vaches grandissent. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais faire reproduire les moutons. Donc regardez, là, il y a un bébé mouton qui est en bas. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais juste me mettre ici. Je vais faire reproduire les vaches entre elles, si ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Voilà. Je rappuie sur le bouton. Et normalement, si on descend, alors... voilà, il y en a un deuxième qui est en bas. Mais il me semble qu'il y a voilà, un bébé qui est bloqué en haut. Mais c'est pas grave, ça fera plus de reproduction. Mais voilà, c'est un système qui est vraiment très sympa. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons aller chercher des vaches. Non, il faut que je vous montre quelque chose, les amis. Excusez-moi, j'avais oublié. Ah ça y est, la nuit est passée en fait, comme je suis tout seul sur le serveur, il n'y a pas eu d'animation. Les amis, ouais, dans le dernier épisode, j'ai commencé à construire du coup, eh bien, la maison dans le Far West. Donc, ma maison dans le village principal, en mode cow-boy. Eh bien, j'allais oublier, mais laissez-moi vous la montrer, elle est plus ou moins terminée. Elle est plus ou moins terminée. Donc, je vais vous faire une petite visite, le petit tour du propriétaire. Alors, il n'y a pas encore de déco, il n'y a pas encore surtout de... voilà, de choses à l'intérieur d'établi. Je vais vous montrer ça. Donc rendez-vous au spawn juste ici. Et donc regardez maintenant. Alors oui, alors cette maison là-haut, je pars dans tous les sens, excusez-moi, mais cette maison en haut n'est pas celle de BXNO, contrairement à ce que j'avais cru. Il s'agit de la maison d'Anaïs. Voilà, donc on l'avait exploré dans le dernier épisode. Alors oui, ici BXNO elle a fait un portail géant du Nether. Donc là on va le décorer et tout. Et celle-là, enfin ce portail là on l'enlèvera. Mais comme ça voilà, c'était notre idée d'incruster le portail dans la montagne. Voilà ma maison terminée. J'ai toujours pas enlevé les poteaux rouges. J'ai fait également un chemin ici, parce que en fait ça me saoule de prendre celui d'Arthur. Voilà, on va pas se mentir. Donc j'ai fait un petit chemin ici, faudra encore le décorer et puis rendre ça mieux évidemment. Mais voilà, j'ai un petit peu commencé.
Et j'ai relié un chemin ici. Donc voilà au niveau de la maison, la voici, la voilà. Regardez à quoi ça ressemble les amis. Je suis assez content. Franchement, je trouve que ça a son style parce que ça a à la fois un mélange du coup bah Far West hein, parce qu'on est dans le biome Mesa, c'est le but du jeu, mais il y a aussi un petit délire genre c'est moi qui a le plus de poils, tu vois. Enfin, je sais pas, ça fait un peu je dis pas bûcheron. Alors, je sais pas comment on appelle ça. À chaque fois je dis bûcheron, je suis désolé, genre on croirait que les bûcherons c'est des gros hommes en mode voilà. C'est pas ça ce que je dis, mais ça fait un peu viking, vous voyez. Je sais pas, il y a un mélange un peu de c'est moi qui a la plus grosse, tu vois. Enfin, je trouve. Donc là, j'ai fait un petit escalier pour monter ici, l'escalier principal pour monter là. En bas, finalement, je ferai pas de cave parce qu'au final, oui, j'avais dit que je voulais faire une cave, mais en fait, ça sert à rien parce que bah, c'est trop joli comme ça. Donc, c'est très sympa comme ceci. À l'intérieur, regardez. Alors, j'ai fait des fenêtres du coup avec des barrières. Je sais pas encore si je mettrai des glaces ou pas. J'ai peur qu'avec des glaces, ça enlève un peu le côté, le côté un peu viking, un peu, voilà. En haut, on peut monter, évidemment, nous avons, bah là j'ai encore ma shulker box, notre petite terrasse, et c'est un truc très sympa parce que bon là du coup le soleil il est en plein jour, mais le soleil se couche là-bas, du coup bah on a juste à se mettre là et on voit le soleil se coucher à l'horizon derrière les montagnes et ça rend beaucoup trop stylé, et on peut encore monter, du coup je me suis improvisé un dernier étage, ce qui n'était pas prévu, j'ai fait même du coup une sorte d'escalier, alors je dirais pas moderne, mais un petit délire quoi. Hop, et en fait c'est la chambre. Donc là une petite fenêtre en mode assez sympa. J'ai encore un peu le rhume, hein, je m'excuse. Voilà, excusez-moi. Donc du coup la chambre juste ici, voilà, avec bah, en fait le seul truc qui est établi dans ma maison c'est les lits. Et un petit bonus juste ici, un accès sur le toit. Ça fait un petit peu, vous voyez, ça fait un petit peu genre période de guerre, vous voyez, genre à tout moment je peux affronter. En fait, vous voyez, à partir du moment où maintenant on se fera des petits délires, il y aura je pense des raids hein, qui se feront dans ce village, il y aura à chaque fois des pilleurs qui viendront nous faire la misère. Bah sincèrement, là où je suis actuellement, là vous voyez dans ma maison, là je me sens en mode viking, c'est moi qui vais sauver tout le monde, vous voyez. C'est un peu le coin de refuge, vous voyez, donc c'est assez cool, je suis assez content de la maison. J'avais vraiment, vraiment peur en fait de me lancer là-dedans et je suis content d'avoir commencé la maison dans le dernier épisode. Je suis content d'avoir vu vos retours également, ça m'a fait très plaisir, merci à tous pour vos commentaires et tout. Et voir le résultat plus ou moins terminé, bah, je suis assez satisfait. Je dis plus ou moins terminé parce que évidemment je vais toujours pouvoir ajouter de l'amélioration et des corrections, un petit peu comme sur mon île volante, tous les jours à chaque fois je rajoute eh bien des nouveautés. Alors ce qu'on va faire les amis, tiens je viens d'y penser, alors j'ai pas pris de bateau sur moi mais bon c'est pas grave, au pire de toute façon j'ai une hache sur moi donc on ira très rapidement couper du bois. On va partir dans cette direction par là-bas, puisque je n'y suis jamais allé. Et on a un pilleur justement, vous voyez quand je vous parlais de pilleur, il y en a un juste ici, attendez on va lui mettre la misère, de toute façon c'est pas un chef donc je peux me le faire. Mais du coup on va partir dans cette direction puisque je n'y suis encore jamais allé. Et donc peut-être qu'on va trouver, ah bah je l'ai one shot, ah bah il n'y a plus aucun respect quoi. Ouais du coup je vais aller par là-bas pour essayer de trouver du coup des chevaux. Alors je dis bien des chevaux parce que dans l'idée j'aimerais bien en trouver plusieurs pour que je puisse comparer eh bien lequel sera le plus beau et lequel sera le plus rapide. Il y a des pilleurs partout, c'est incroyable, on se fait assaut. Vous avez vu, on se fait assaut dans le village, mais c'est incroyable. Et ça va devenir de plus en plus compliqué hein, cette histoire. Bon je vais les contourner, je vais pas plus les déranger que ça. On va couper du bois et on va partir en bateau. Alors j'imagine qu'il y en aura déjà qui sont allés explorer par là-bas, mais on va essayer de partir un petit peu loin. J'ai pas envie de prendre les Elytras cette fois-ci, parce qu'on l'a déjà fait dans l'épisode 9 du coup. Et c'est vrai que bah, c'était assez rigolo, mais au final ça nous a pas, à part pour partir loin, ça nous a pas servi à grand chose. Donc là on va un petit peu chiller, écoutez, en bateau avec un petit bateau sombre. C'est vrai, c'est la première fois que je craft un bateau sombre, vous voyez. Donc si ça se trouve ça n'a même pas été exploré, et puis on va trouver des épaves, on va trouver des trucs sympas. Donc voilà, encore un nouvel épisode chill, comme on peut appeler ça. Un épisode où on va se balader, mais le but du jeu c'est qu'à la fin, oh les dauphins, mais... Non mais même là il y a un pilleur sur l'eau, regardez, c'est incroyable. Donc dans l'idée, il faut qu'on trouve, quoi qu'il arrive, eh bien un cheval. Là vous voyez, il y a un temple, enfin il y a une épave j'ai l'impression. Alors est-ce que ça... Non mais il y a des... Oh, mais il y a des pilleurs partout. Mais c'est incroyable. Donc la question que je me posais c'est, est-ce que ça a été pillé ou pas? Je pense que quelqu'un est déjà passé par là, mais on va juste checker, comme ça on aura notre petite idée. Est-ce qu'il y a un coffre déjà? Non, il n'y a pas de coffre. Ah, il y en a un là. Ça n'a pas été pillé, vous avez vu? Hop, oh j'ai... Oh, vous avez vu ce que j'ai récupéré les mecs? Attendez, je m'arrache. Alors, j'ai bien fait d'être venu. Je vais juste me casser parce qu'ils vont me déranger. J'ai récupéré une canne à pêche Luck of the Sea 3. Sincèrement, alors,
Je sais pas si je vais faire des jaloux parmi mes acolytes, mais il me semble que ça, c'est vraiment un truc... Enfin, faut vraiment avoir de la chance pour tomber là-dessus, quoi. Et puis, ça va m'être très, très utile, quoi. C'est-à-dire que je vais pêcher et puis je vais tomber... Enfin, je vais pouvoir pêcher des trucs assez incroyables avec ça. Oh, ça fait plaisir. Bah, j'ai bien fait d'avoir... Mais à mon avis, du coup, ça a même pas été exploré par ici, hein. À mon avis, là, on part générer des nouveaux chunks et c'est vraiment cool. Ah, c'est super top. Bah, écoutez, les amis, on va faire une coupure et puis je vous retrouve dès que je trouve quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on va, on va faire comme ça dans cet épisode. Allez, à plus. Alors, les amis, je viens de trouver, il me semble que ça, visiblement, c'est un temple marin. Ouais, c'est un temple sous-marin, ok. Non, je me demandais, en fait, j'ai repris le record parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces lumières ? C'est un temple marin. Par contre, ici, on a, regardez, vous avez vu, on a un nouveau truc sous l'eau qui est autre chose qu'un temple marin, donc j'aimerais bien qu'on aille aller voir. Alors, j'ai pas de, voilà, de casque pour respirer sous l'eau, ça, c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que je vais pas tenter le temple marin. Mais au moins je sais où c'est qu'il y en a un. Ouais, ça me fait peur ces bêtes là. Mais du coup j'ai envie d'aller voir ce truc là parce que voilà, je vois un coffre. Et donc on va aller directement le choper. Parce qu'à mon avis il a pas été chopé non plus. Et nous avons, ah bah voilà, on a un nouvel enchantement. Alors je sais pas à quoi sert cet enchantement là. Alors est-ce qu'il y a pas un autre coffre? Non, visiblement il y a pas d'autre coffre, je vais vite remonter avant que je meure. Oh, c'est super profond. Oh, ça passe. Donc j'ai un Lock of the Sea et j'ai un lure. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire par contre celui-là et je ne sais pas à quoi il sert. Faudra voir. Je pense même qu'on peut fusionner les cannes à pêche, enfin en tout cas les enchantements. Donc c'est assez intéressant. Franchement, et je sens qu'on va faire des épisodes de pêche les amis, ça va être assez marrant. Hein. Franchement, on va un petit peu varier les plaisirs et faire ce genre de choses, ça peut être assez sympa. Bon, je vous reprends dès que je retrouve autre chose les petits potes. Voilà, petit clin d'œil à Tiamo hein, les petits potes. Allez, à tout de suite les amis. Ok, les amis, j'ai un petit peu changé de cap et juste ici, il y a une épave, visiblement. Et je suis trop content parce que là, je sais pertinemment que cette épave n'a pas été fouillée parce que personne n'est parti dans cette direction, sincèrement. Donc là, je suis direction sud, donc là, je suis plutôt sud-est. Donc dans cette direction, il n'y a personne qui est parti. En tout cas, personne n'a exploré. Donc c'est vachement cool, on va pouvoir tomber sur des trucs assez sympas. En plus, j'ai une hache sur moi, donc c'est vraiment pas mal. Allez, on récupère du fer, une fiole d'XP, un peu d'or, c'est sympa. Alors, il y a plusieurs coffres hein, dans les épaves de bateau, donc on va s'appliquer pour essayer de trouver tous les coffres. Alors, attendez, je vais monter par ici. Non, mais il n'y a pas d'autres coffres, là, visiblement. Je check quand même pas mal, on va voir. Visiblement, il n'y a pas d'autres coffres. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres coffres, là, hein, visiblement. J'ai pas envie de trop m'avancer, mais... Ouais, là, c'est le coffre que j'ai pris, celui-là. Ah, attendez par là, à mon avis. Alors, de l'autre côté, il doit y avoir un coffre, genre là. Si on regarde bien... Non. Ah oui, voilà, il est là, il était caché. J'ai plein de bouquins et j'ai une... Oh oui! J'ai une carte au trésor! Oh, fantastique! Fantastique! On va pouvoir partir à la conquête des manoirs. Enfin, non, mais c'est même pas des manoirs, qu'est-ce que je raconte? Alors par contre le soleil se couche, donc on va juste se poser sur la terre ferme pour faire un petit dodo. Mais du coup voilà, on va pouvoir faire un petit épisode chasse au trésor un jour. Ça va être vraiment cool, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Ça risque d'être vraiment trop sympa. Ah c'est trop cool, on va pouvoir faire de la chasse au trésor. Ça c'est vraiment pas mal. Alors j'ai un bed évidemment sur moi, je viens de passer la nuit. Donc voilà, il n'y a pas eu de cinématique, vous avez vu, voilà, ça a passé la nuit très... Enfin tout de suite en fait, instantanément. Donc c'est assez rigolo. Ah je suis content là pour cette carte au trésor. Je me rappelle même plus qu'est-ce que je cherche à la base. Ah bah je cherche des chevaux, c'est vrai. Du coup ben là on connaît pas ces zones là. Donc écoutez, ce que je vais faire je pense en fait, c'est que je vais continuer à pied. Parce que là, potentiellement, on va pouvoir trouver des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, pourquoi pas donc des chevaux. Donc, on va continuer à pied. Là, regardez, nous avons un petit renard. C'est beaucoup trop mignon. Oh là là, j'adore. Bon, on en avait déjà croisé, du coup, dans l'épisode 9, mais beaucoup trop mignon. Donc là, on est dans un biome savane. Alors, dans les biomes savane, est-ce qu'il y a des... Mais c'est une blague. Regardez où je suis. Attendez, mais c'est incroyable. Je suis au Stronghold. Je suis au Stronghold, les frérots. Attendez, mais sans déconner. Alors, bah, ok. Eh ben, d'accord. Donc, la base de Firestorm est par là-bas. Bon, bah, finalement, j'ai rien dit. On est déjà passé par là, apparemment. Mais personne n'a fouillé les épaves. C'est marrant, ça. Bon, bah, on va continuer sur l'eau parce que ici, on connaît déjà. Hein. Et du coup, bah, les amis, on va continuer direction. Direction sud. Non, là, c'est ouest. Non, il faut dire. Voilà, c'est direction sud, moi, que je vais, hein, depuis tout à l'heure.
Attendez, moi je comprends même plus rien la direction où je vais. Là il y a un village mais je le connais, hein, vous inquiétez pas, je le connais. On l'a déjà exploré. Bah écoutez, non, bah, je vais continuer par là-bas, direction ouest. Mais direction ouest, on va retourner vers le spawn. Bah je comprends plus rien. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé là, on a changé de cap de direction. Il y a un dauphin qui vient de me passer par-dessus. Incroyable. Incroyable, incroyable. On pourrait nager avec lui pour aller un peu plus vite. Mais j'ai envie de garder mon bateau. Ah bah non, bah tu sais quoi, vas-y, on va le faire. Attends, on va prendre le bateau sur nous. Et ça y est, j'ai l'enchantement Dolphin Grace. Et là, normalement, ça me fait pas nager plus vite. Ah si, ça me fait nager plus vite, c'est bon. On s'en rend pas bien compte parce que de base, bah, je nage pas vite. Mais là, je nage super vite en vrai. Là, je vais plus vite qu'en bateau. Ah oui, ça se remarque en fait. Ah, c'est pas mal. Et le dauphin, il continue de me suivre. Ah, c'est... Par contre, je vais me noyer, je suis bête. Je suis complètement con. C'est vraiment cool. Regardez comment je vais super vite. Regardez, j'ai l'impression... Je suis Jésus. Je suis Moïse. Je marche sur l'eau. Ah, par contre... Dauphin. Reviens, dauphin. J'ai besoin de toi. Dauphin. Ah, il me taquine. Ah, il veut plus de moi maintenant. Ça y est. Je suis parti trop vite. Bon, tant pis. On va reprendre le bateau. C'était déjà assez sympa. Là, on a un désert. Mais là... Bah, et tu sais quoi? On va aller au désert d'en face. Parce que là, peut-être que ça a déjà été exploré. Mais par exemple, le désert d'en face, je ne pense pas qu'il ait été exploré. Hein. Je ne pense pas. Donc ça peut être assez sympa d'aller voir un peu ce qui s'y cache. Peut-être on va trouver un temple avec des choses super intéressantes. Peut-être des chevaux dans un désert, je ne sais pas. Non mais voilà, hein. C'est vrai que du coup je cherche des chevaux, mais voilà, regardez, il y a une plaine juste derrière. Une savane, bon bah c'est bon, tranquille. Donc on va se poser eh bien dans le désert, et puis là on va se rendre compte que c'est le spawn, tu sais. Il y a des chevaux, il y a des chevaux. Ah oh, bah alors, j'ai pas dit ça en rigolant moi qu'il y avait des chevaux dans le désert en fait. Attendez, je vais juste récupérer mon bateau. Et on va pouvoir voir, donc là on a un cheval et il est pas moche. Enfin il est pas moche, bon il me plaît pas non plus. Oh j'ai rien dit, hey, il a une petite tête assez sympa. Je vais lui grimper dessus, je vais essayer de... Il y a pas d'autres chevaux aux horizons, attends. Est-ce que tu m'aimes déjà? J'ai l'impression que... Alors il a pas beaucoup de cœur par contre. Hein. Mais attendez, c'est un cheval apprivoisé déjà? Bah voilà. Bah j'ai l'impression que c'est un cheval qui a déjà été apprivoisé. Oh il a... Hey, il va super vite. Oh non non, pardon. J'ai l'impression qu'il va super vite. Alors je sais pas si c'est une impression, mais... Mais je sais pas, mais il avait déjà une armure. Ah il est joli sans armure. Oh mais il est beau. Il est beau ce cheval. Attends, je vais mettre l'armure en diams du coup en attendant. Ah c'est... Il est pas mal ce cheval, mais du coup il appartient à quelqu'un. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre s'il appartient à quelqu'un en fait du coup. Mais il va super vite, hein. Il va super vite. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, bah écoutez, on va continuer de se balader avec ce cheval. Et puis, on va voir... Alors, ouais, essaye de ressortir de là. On va voir s'il mérite de rentrer avec nous. On va un petit peu le fatiguer, du coup. Mais, ah, c'est pas mal. Là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette structure? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah. Alors, par contre, évite de bugger. Alors, reste ici, hein. Tu pars pas, hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Eh ben voilà! Bon, on a encore un. Bon, je vais le prendre dans le doute, même si je sais pas ce que c'est. Je vais un peu ranger le bois, on s'en fout. Le charbon, on prend. C'est sympa, hein, tout ce qu'on trouve là, n'empêche. Pour moi, c'est vraiment de la découverte. Vas-y, viens, mon pote. Je vais pas t'abandonner. On va aller voir l'autre truc. Mais ça, je pense que c'est censé être dans l'eau, hein, il me semble. Hein. Je pense que c'est buggé un peu. Du blé. Curse of Vanishing, non ça c'est pourri ça, c'est juste une canne à pêche qui va disparaître si jamais tu meurs. Il a même pas d'enchantement stylé en plus, complètement nul. Et nous avons un village, alors, est-ce qu'il a déjà été fouillé? Ou est-ce qu'il est nouveau? Il a l'air d'être intact, j'ai l'impression que personne n'est passé par là, mais si ça se peut, je m'enflamme. Et qu'est-ce que, non, personne n'est passé par là parce que les villageois ils sont standards, ils ont pas d'échange de ouf. Frérot, t'as un style de ouf. Par contre, le cheval, tu vas venir avec moi. Hein. Ça, je te le dis direct. Tu vas pas rester dans ton coin. Ah, c'est un mouton. Parce que je croyais que c'était un cheval blanc. Et les chevaux blancs, j'adore. Donc, ah, il y a un autre cheval là-bas. Ah, bah, c'est le même à peu près. Attendez, on va quand même aller voir. On va checker. Ah, si je peux prendre un meilleur cheval, je prends. Ah, et lui, il est mignon, lui. Et lui, il est vraiment sauvage. Il est vraiment sauvage. Alors, attends, mon pote, j'ai juste, hop, te prendre ça. Ah, non, non, attends, reste à moi quand même. Je vais essayer d'apprivoiser lui là. Alors attends, visiblement. Voilà, j'arrivais pas à lui monter dessus. Ah, il veut pas. Allez, mon pote. Ah bah ça y est. Mais c'était si simple que ça. Mais je lui ai même pas donné de pomme ni rien. Alors attendez, du coup, ce que je vais faire, c'est je vais juste récupérer ma selle. Et je vais faire un test sur lui.
Alors, déjà, il a plus de cœur, visiblement. Mais non, il est moins vite. Il est moins rapide. Il est clairement moins rapide. Alors, redonne-moi la selle. Je remonte sur lui. Ah ouais, lui, il va beaucoup plus vite, vous avez vu. Vous avez vu comment il va super vite. Mais il a moins de cœur, par contre, du coup. Là, on a d'autres chevaux. Mais franchement, moi, j'ai envie... Enfin, c'est un cheval, ça? Ah oui. Franchement, celui-là, on l'a trouvé en one shot. Alors, encore une fois, je comprends pas. Je pense qu'il appartient à quelqu'un et que ce quelqu'un l'a perdu. Donc, si jamais il y a un acolyte qui passe par là et qui dit « Ah bah, c'était mon cheval, bah voilà, big up. » Maintenant, c'est le mien. Voilà, je vais lui remettre son armure en diams, s'il l'aura mérité. Lui, on va le ramener à la maison. C'est mon cheval. C'est le mien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit village, du coup, qui n'a pas été fouillé, visiblement, hein. On va regarder ça. Eh bien, nous avons des empty maps. Oh, ça, c'est fantastique. Le papier, bah, on va pas dire non au papier, hein. Qu'est-ce qu'on peut jeter, par contre? Parce que j'ai beaucoup de trucs sur moi. On va jeter ça, on s'en fout, là. On s'en fout, on s'en fout. On va continuer un petit peu l'exploration. Bon, après, dans chaque maison, il y a des coffres, hein. Plus ou moins, donc on va faire ça un petit peu vite fait. Là, dans cette maison, par exemple. Je suis sûr, on aura des empty maps encore. Non, une boussole, trop bien. Ouais, je peux pas récupérer du pain, on s'en fout. Sympa, sympa, on a une petite boussole. Là, il n'y a pas de coffre dans cette maison. Dans celle-là, je sais pas s'il y en a. Et c'est sympa. Oh, y'a. C'est bugué. C'est bugué de ouf. Ah, attendez, juste dans cette maison-là, par contre, il doit y avoir un coffre. Ouais, je casse un peu les champs. Oh là, bah alors là, c'est fou. C'est bugué par ici. Alors, comment on rentre dans ta maison, mon pote? Ah. Y a rien. Ok, bon. Bah, c'est intéressant. Et bah, je suis content parce qu'on a notre cheval. On a notre cheval, alors ça va être très long et très chiant. Pour le ramener à la maison. Ok, donc les amis, je viens de retrouver donc les coordonnées de mon île volante. Enfin, en tout cas, de en bas. Et je vais les écrire dans le chat. Et comme ça, on va voir flou quand on va voir où c'est qu'on est actuellement. Donc, c'est moins 476, 76. Bon, on s'en fout de la hauteur. Hein. On s'en fout de la hauteur. C'est 71 là où je l'ai prise. Moins 481. Et maintenant, on fait F3 et on voit que nous sommes. Ah, si, on est loin, ouais, regardez. Donc là, on n'est pas loin en X, évidemment. Mais en Y, on est. En Z, pardon. Parce qu'en Y, c'est Joule. En Z, on est à 1668, donc c'est pas si loin que ça, et c'est dans cette direction. En fait, on a juste à aller dans cette direction tout le temps, et on arrivera à la maison. Bah écoutez les amis, on va faire ça de ce pas. On va faire un petit dodo avec le cheval juste à côté, voilà, c'est fait. Et nous allons partir. Nous allons partir donc dans cette direction. Donc moins 476, c'est par là-bas, mais vous voyez, on va être très rapidement s'aligner. Et moins 481, bah voilà, donc c'est par là-bas. Bon bah c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, je sais pas comment j'ai fait cette boucle. Si, franchement, si on croise, enfin, normalement, on doit passer de l'eau. Parce que si on passe pas par de l'eau, eh ben je comprends pas. Je comprends pas comment on a fait, puisque avant on a pris le bateau et puis je me suis barré quand même assez loin avec mon bateau. Hein. Alors bon. Moi, ça me facilite la tâche s'il n'y a pas d'eau à traverser, évidemment. Donc, je serais très content, mais quand même. Et j'ai l'impression que ça va aller assez vite avec le cheval. En tout cas, sur la terre. On va éviter de le faire crever aussi, le cheval. Mais ouais, ça va être assez rapide de parcourir tout ça sur la terre. Mais si on doit traverser par la mer, là, par contre, ça va être un petit peu plus relou. Et là, alors là, on a une faille. Oh, quelqu'un est passé par là. Quelqu'un, attendez. Quelqu'un est passé par là. Et je me demande si c'est pas moi. Non, c'est pas moi, ça. Il est où, le cheval? Non! Non, il est où? Le cheval? Non! Il est où? Non! Sincèrement, là? Me dis pas qui. Me dis pas qui. Tu me dis pas qui est tombé, hein. Et on va pouvoir voir, donc là, on a un cheval, et il est pas moche. Oh, mais il est beau! Il est beau, ce cheval. Lui, on va le ramener à la maison. C'est mon cheval. C'est le mien. Mais non. Il est pas tombé. Je l'entends plus. Non, les frérots. Ça, c'est ma dirt. S'il serait tombé, je verrais des loot. Parce que... Oh, attendez, j'ai du Fizzer Falling. Il est pas en bas.
Mais non. Mais il est parti où? Me dis pas qu'il a des pop. C'est pas possible. Attendez, arrêtez les Non. Les frérots. Non mais là, il a disparu. Non, attendez. On va faire une tour. Non. Non, non, c'est pas vrai, il est là. Je sais pas où, mais il est là. Attendez. Mais non. Je l'entendais encore. Genre, je... Non. Sérieux, là? Sincèrement. Et il s'est pas caché dans un coin de la faille, là, genre. Attends, mais encore avant, je l'entendais. Non, mais il a pas pu se barrer. S'il est encore là, il doit être là. Et à mon avis, il y a eu un bug, ou il a des pop, ou il est mort. Mais non. Pourquoi je suis descendu de mon cheval ici? Sincèrement là? Sincèrement. Arrête. Oh! Il est là! Il est là! Oh bordel! Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu m'as fait peur? Mais t'es fou! Mais t'es complètement idiot. Tiens dans ta figure. Mais t'es complètement idiot. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Non, reviens. Arrête, arrête. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Tiens, tu veux pas des pommes? Mange, il faut manger. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as fait trop peur. Bon, les amis, waouh, j'ai eu extrêmement peur. Extrêmement peur, je pense que vous aussi, et je pense que vous étiez tous comme moi, vous pensiez que ben, qu'il était plus là. En plus, j'allais couper l'enregistrement pour regarder mon rush. Et pile au moment où je voulais le faire, ben, je l'ai revu. Donc, c'est vraiment cool. Bon, on va le ramener cette fois-ci à la maison comme il se doit. Et on y est bientôt, hein, j'ai l'impression. Ah non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore du tout. Je rappelle les coordonnées. Comme ça, vous pouvez regarder par vous-même également et comparer. Non, pardon pour le cactus. Putain, mais n'empêche. Oh. Waouh. Oh là là, tu me refais plus jamais ça, hein. Oh, il y a un temple ici, mais j'ai comme l'impression. Mais me dites pas que c'est le temple. Ah, alors ça par contre, on va éviter. Mon cheval est très très chiant, mais je le veux à la maison. Yes. Eh ben, on est parti pour être dans la merde. Alors, on vient de tomber sur un spawner araignée, c'est fantastique. Alors par contre, mon cheval, il va prendre cher, là. Oh, quel échec. Je suis vraiment mauvais. Mais bon, c'est bien, on a trouvé un spawner sans le faire exprès. C'est vraiment l'épisode de la moule. On a une armure en or, une golden apple, un name tag. Ah ça par contre, c'est ce qu'il me fallait. Pour ceux qui s'en rappellent, vous le savez, il me faut un name tag. Du coup, même plusieurs d'ailleurs, hein, globalement. Ah par contre, des ficelles, je suis preneur. Donc on va prendre ça à la place de la terre. Très bien. Et là, on a quoi? Encore du charbon, un livre, protection 2. Est-ce qu'on va prendre le livre protection 2? Tiens, bon, allez, on va le prendre à la place du buff. C'est quoi? J'ai trop de trucs sur moi, hein. Clairement, j'ai trop de trucs sur moi. Bah du coup, il va falloir remonter. Et ça va être très drôle. Bon, je sais que mon cheval est là et qu'il va bien. Alors là, pour remonter, je sais... Ah, je sais pas comment faire. Si, on va faire là, ici. Là, on va faire un chemin, là. Oh, ça va être très chiant. Parfait. Parfait. Et on est où là? Eh, il y a de la cobble juste ici. Il y a un lama. Mais on est où? Parce qu'il y a de la cobble. Il y a un temple. Ah bah c'est le temple de... Bon attendez, je vais chercher mon cheval. On va d'abord dormir parce que du coup il fait nuit. Donc on va dormir et je vais chercher mon cheval. Voilà, c'est fait. Tain, c'est vrai que du coup c'est super rapide. On va prendre le cheval. On va monter. Alors... Ah! Ça ne passe pas. Sincèrement là, c'est super chiant ça. Voilà, on peut monter. Alors j'ai pas envie de crever, hein. Ah mais c'est le cheval qui prend cher en plus, c'est même pas moi.
Bon, ça commence à devenir pénible, hein, cette histoire. C'est bon ? Voilà. Bon, on en est où ? On en est qu'il faut aller en moins 476, c'est par là, et en moins 480. C'est par là. Direction nord. Et nous, on était allé direction sud avant. Donc forcément, on fait le retour. Mais regardez où on est. Il y a un lac de lave là. Regardez, je suis sûr qu'il y a la maison... Il y a la mais non. Mais j'ai l'impression que je reconnais, mais en fait, je connais pas. Je ne connais pas cet endroit. Bon. Attends, on va faire une pause bien méritée. Tiens. Ah bah, il veut pas de pommes. Ok, bon, je voulais lui offrir des pommes, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, on va traverser... Oula, pardon. On va traverser cette forêt qui va être très très chiante. Mais c'est vraiment par là qu'il faut aller. Ouais, faut croire. Mais là, mais on n'est jamais... Enfin, on n'est pas passé par là, mais... Là, je ne connais pas du tout cet endroit. Au début, je pensais reconnaître. Et je suis assez curieux de voir par là où on va arriver, en fait. Je suis assez curieux de voir. Parce que sincèrement, si on ne traverse pas d'eau, j'arrive pas à comprendre. Même si, encore une fois, ça me dérange pas, hein, évidemment. Allez, on passe sur les arbres. Nous, avec le cheval, on fait un petit peu des folies. Hein. Ça y est, c'est mon meilleur acolyte maintenant. Ok, ah, un biome marécage. Très bien. On va faire comment ? Oh, le biome Mesa. Vous avez reconnu ? Mais bien sûr. De toute évidence. Ok, eh ben, notre village principal, il est là. Notre île volante, elle est un petit peu plus loin. Et nous, on est passé juste par là-bas. Regardez, vous voyez les forêts, les arbres noirs là-bas ? On est passé juste par là-bas. Et on a traversé l'eau par là et on a fait une boucle. C'est incroyable, insane. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que là, on est bientôt à la base, donc il n'y a pas de souci. Alors, il faut juste qu'on trouve un moyen. Eh bien, d'y accéder. Bon voilà, on va passer, voilà, on peut faire le tour sans passer par l'eau. Et on va y accéder. Oh, c'est insane. Voilà, là j'espère que ça va passer. Allez, allez, ouais, ça passe. Regardez les amis, oh, je suis content de ouf. Là on va voir la maison d'Anaïs bientôt. On va voir la maison d'Anaïs, regardez. Donc la maison qui est en hauteur sur la montagne. Là, la voici, elle est là. C'est la maison d'Anaïs, d'accord. On est de l'autre côté. Ah, c'est incroyable. Et nous, en fait, donc là, on va arriver au saloon. Donc là, il y aura les pilleurs, d'ailleurs. Attention, hein. S'ils sont encore là, les pilleurs. Ouais, ils sont encore là, vous voyez. Juste ici. Là, salut. Et nous, non, laissez-moi tranquille. Et nous, on est allé là, d'accord. On a coupé du bois et on est passé par là en bateau. Et on est allé par là-bas. Et là, on a fait une boucle, on revient par là. C'est incroyable, j'adore. Bon, bah, du coup, c'est bon. On va se diriger à mon île volante, puisque de toute façon, j'ai plus besoin des coordonnées. Je sais où c'est maintenant. C'est incroyable, c'est énorme. C'est ouf, oh je suis content, j'ai réussi à le ramener. Et sans passer par l'eau. Et bah c'était vraiment cool, franchement. Donc là, ma maison, hein, bien évidemment. Ma maison dans le Far West. Bah d'ailleurs je sais pas, le cheval on le met à mon île volante ou on le met ici. Parce que là du coup parce que j'ai rien prévu en fait. Ah ouais, j'ai rien prévu pour lui. Non bah écoutez, on va le laisser ici. Alors je peux pas le faire monter, ça c'est pénible. Allô. On va le faire monter. Je vais vite me téléporter du coup à mon île. Je vais renommer le name tag. Je vais ramener une laisse et puis je vais l'accrocher, d'accord. Tiens, des pommes. Mais il veut pas manger mes pommes. Ah, faut lui viser la tête. C'est logique. Bon, ça a pas l'air de marcher. Du coup, voilà. Ah, c'est cool. Ah, je suis content. Bah, du coup, les amis. Alors, attendez, je vérifie juste un truc. Je vérifie juste parce que si normalement j'ai déjà des barrières. Yes, j'ai des fences. Donc ça c'est nickel, comme ça je vais déjà préparer, alors non pas son enclos, mais là où il sera accroché, et je vais l'accrocher, écoutez, ici, d'accord. Alors reste par là mon pote, hein, t'es mon cheval, hein. Juste comme ça, donc tu vas rester ici calmement. D'ailleurs tu sais quoi, ça c'est vraiment parce que je te fais pas confiance. Voilà, c'est temporaire, et j'espère qu'il va pas despawn, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, puisque de toute façon il a une armure sur lui et tout. On va aller renommer notre name tag. Bon bah du coup on va pas l'utiliser pour renommer parce que vous savez du coup j'ai un lama, j'ai un cochon. D'ailleurs j'ai eu un deuxième lama, alors je sais pas où il est. Mais il y a un deuxième lama qui avait spawn sur mon île. Bon bah visiblement elle est plus là. Enfin il est plus là. Mais bref du coup on va pas les renommer, mais on va renommer notre cheval. Bah du coup j'ai le name tag sur moi. Alors je sais même pas comment on va l'appeler. Je sais même pas comment on va l'appeler, mais il est où le name tag, il est là. On va l'appeler. On va l'appeler Éclair. C'est ça, hein. Il s'appelle Éclair, non Dans Yakari. On est bien d'accord. Yakari, c'est Éclair. Normalement, Éclair. Je sais même plus de quel... Mais il me semble que c'est la même couleur en plus.
Moi, j'ai envie d'avoir ce petit nom personnel parce que... Bah, juste, est-ce que j'ai une laisse au moins? Parce que si j'ai pas de laisse, en fait, j'ai bien l'air con. Enfin, c'est pas grave, je l'ai enfermé, mais... J'ai pas de laisse. J'ai sincèrement pas de laisse. Alors, attendez, bougez pas. J'ai peut-être... Voilà, j'ai des slimes. J'ai des slimes, et ça, c'est cool. J'ai des slimes et j'ai des ficelles. Salut Arthur, on va lui mettre un petit yo. J'ai des ficelles, bah j'en ai sur moi. Et donc là, on va pouvoir crafter des laisses. Alors, comment on fait? Comment on fait? Comme ça. Oh yes, je suis un monstre. Bon, je vais jeter la cobble, on s'en fout. Et on va vite se dépêcher. Tranquille, et toi? On va vite se dépêcher de l'accrocher. Alors, yop. Parfait, on va pouvoir remonter. J'espère... Normalement, il est encore là. Hein. Mais non, c'était même pas éclair, c'était petit tonnerre. Ça y est, je viens d'avoir un flash. C'était petit tonnerre. C'est pas grave. Un tonnerre d'applaudissements pour ce fail. Hop, je vais l'attacher. Voilà. Voilà, petit tonnerre. Et ça s'écrit bien comme ça. Hein. Il y a deux N et deux R, mais ça me paraissait bizarre, mais c'est bien ça. Petit tonnerre. Voilà. Là, maintenant, ça me plaît. Clairement. Et voilà, nous avons notre petit tonnerre, du coup, qui est prêt. Ah, je suis content. Nous avons enfin un cheval. Il nous aura fait des frayeurs, hein, ce petit con, hein, aurais-je dit, hein, dans ce petit tonnerre. Il nous aura fait des frayeurs, n'empêche. Hein. Oh, j'ai vraiment cru l'avoir perdu, quoi. Alors voilà, hop, petit tonnerre, bienvenue chez moi. Tu vas garder ma maison. Mais écoutez, j'ai envie de lui enlever, en fait, l'enclos. Mais moi, ça me fait peur parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences, vous savez, sur ma aventure première saison. Où bah, la ficelle, en fait, elle se détache toute seule, vous voyez. Et même s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui fait un petit clic droit sans faire exprès, vous voyez, ce serait vraiment chiant. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais bon, on va faire avec. Je vais lui laisser l'armure en diams, même si n'importe qui au final pourra lui prendre. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est pas cool, hein. On n'est pas comme ça ici, je pense. Donc je vais lui laisser l'armure en diams. Voilà, nous avons notre petit tonnerre. Ah là là, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Bon bah voilà les amis, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Il aura été pas mal fourni en suspense et en retournement de situation. Surtout c'était assez incroyable, on va pas se mentir. Si cet épisode vous aura plu, eh bien n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus grand pouce bleu, ça me ferait super plaisir pour m'encourager. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma petite boutique de vêtements les amis, donc c'est disponible en description, vous avez juste à descendre en bas de la vidéo, vous allez voir directement. J'ai fait du coup des t-shirts avec le logo Madventure, enfin quand je dis j'ai fait, hein, évidemment c'est pas moi qui les ai construits, mais fabriqués. N'hésitez pas à aller visiter du coup le shop et vous pourrez voir, voilà, il y a plusieurs couleurs disponibles pour avoir un t-shirt avec le logo Madventure. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresserait. Et nous on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos avec notre fidèle destrier petit tonnerre. C'était Mkolo, ciao tout le monde.